Messieurs, à cette rencontre informelle avec Jacques Villeneuve, qui vient de réaliser le troisième temps dans le groupe 4 au volant de cette McLaren F1. Circuit, j'avais fait quelques tours il y a longtemps, je pense que j'avais 16 ans pour faire mon école de pilotage, donc ça fait quand même plus de 20 années. Mais je ne le connaissais pas depuis qu'il a été remis en bon état par M. Kroll. Et c'est une piste magnifique. C'est vraiment une piste à l'ancienne, très complexe, très technique. Et aussi, il y a quand même une bonne prise de risque qu'on ne trouve plus sur les pistes actuelles. Donc c'est sûr qu'en étant dans une voiture qui vaut une fortune, qui appartient à quelqu'un, que ça ne sert à rien de se mettre à la limite et de faire des gros dégâts. Mais c'est vraiment un bonheur de piloter sur circuit. On a eu la chance de piloter il y a quelques années la Ferrari de Gilles. Est-ce qu'on aurait pu le faire ce week-end aussi? Non, quand je l'ai fait, je l'ai fait une fois. Ce n'est pas quelque chose que je voulais refaire. Je voulais le faire une fois. C'est un peu comme dire merci en quelque sorte. C'est un honneur de la conduire, mais ça, c'était vraiment des voitures dangereuses. Et le problème, c'est que si on a l'habitude de piloter des voitures qui sont très sécuritaires, comme les voitures modernes, au bout de quelques tours, dans une voiture comme ça, on oublie qu'on est dans une ancienne voiture. Et donc, on n'a pas le même respect, je pense, de la mécanique qu'il y avait à l'époque. Donc, ce n'est pas tout à fait le même pilotage. Et si on regarde à l'époque, il y avait beaucoup d'accidents, mais
y ait beaucoup de dégâts humains aussi. Mais il s'en sortait assez souvent, mais c'est qu'en rentrant dans la voiture, il savait, il connaissait le risque qu'il y avait de piloter ces voitures-là, alors que nous, on ne connaît pas ce risque-là. Et d'apprendre une fois qu'on est dans le rail, c'est trop tard. Jacques, forse in italiano, solo per fare una bella figura, diciamo che la gente capirà sicuramente le tue impressioni di un evento del genere per lo sport automobilistico. È un bel evento più che per lo sport, per le macchine, che perché c'è gente che compra queste macchine che sono incredibili e sarebbe un gran peccato lasciarle nel garage, nei musei. Di vederle in pista come all'epoca, sono tutte belle, poi che, con gente che le spingono un po', non magari fino al limite, però le spingono, è bellissimo.